Exactement, Damien Abad qui est à mes côtés et qui a même été applaudi avec les trois autres députés sortants, les Républicains qui ont été réélus, en l'occurrence Charles de la Verpillière ou encore Xavier Breton. C'est quoi votre secret pour arriver à 67% ce soir? C'est l'un des plus beaux scores de France pour une famille politique. Le secret, il est simple. La sincérité dans mes engagements, l'ancrage territorial, le renouvellement de la vie politique française et une ligne politique claire, celle d'un député à la fois constructif et vigilant pour que la France réussisse et nos territoires également. Est-ce qu'il n'y a pas la prime aussi au président du département? Je ne sais pas, il y a la prime au travail, à l'efficacité. Je suis aussi 28e député sur 577 pour l'activité et le travail. Je pense qu'aujourd'hui, le travail a payé. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de femmes et d'hommes engagés à l'Assemblée nationale et qui pèsent et qui comptent et qui renouvellent cette vie politique française dont on a tant besoin. Alors, on va voir justement les images de votre arrivée ici. Dites-moi, vous nous avez dit lors du début de la campagne, vous allez quitter la tête du département. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, la loi sur le cumul des mandats m'oblige à le faire. Aujourd'hui, l'actualité, c'est d'abord de savourer cette victoire de 3 députés sur 5, ce qui montre que l'Ain reste un département de droite malgré le tsunami politique que nous avons vécu avec cette élection présidentielle. Ensuite, il s'agira de peser dans le groupe parlementaire. J'entends jouer un rôle de premier plan dans ce groupe. Et ensuite, seulement arrivera la question de la succession. Nous aurons un mois pour cela. Nous allons le faire dans la sérénité, en consultant tout le monde et en trouvant. J'imagine que vous avez déjà une petite idée, hein. J'en ai 2-3, oui, mais vous savez, ce qui compte aujourd'hui, c'est surtout la dynamique qu'on va créer, le travail que l'on va faire, et compter sur toi pour rester très actif au sein du département de l'Ain. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.